plus drôle, plus drôle, plus les capables, plus politique, plus rapide. Ça finit toujours par rentrer. Ah! Ouais. Il n'y a pas les petits, les petits pieds de Jésus qui t'accrochent. Ben ouais, ben c'est mon fils en plus. On est en onde! Oh. Combien de fois ça m'est arrivé depuis des millions d'années? Oui. Quand j'ai 2 millions d'années, vous m'avez reconnu. Ah ouais, juste c'est... ça. Oui. Faites le calcul. C'est moi, Dieu! Ah, OK. Je suis à côté de Dieu en ce moment. Vous me reconnaissez avec ma tuque de Père Noël? Très festif, avec son Dieu. T-shirt qui est dedans, en dessous de sa toge. Là. Oui! Pas de confortable avant tout, hein? Écoutez, là. Et vous êtes bien, évidemment, à votre pote. Il y a une tuque de Père Noël. Oui? Pas pantoute. Non, non, c'est Dieu, là. Oui, oui, ben oui. J'ai 2 millions d'années. Vous me reconnaissez, c'est Dieu! Et j'anime évidemment votre podcast préféré directement du ciel, des cieux et des rêves. Et on est déjà rendu à l'épisode 57 milliards et je suis très content, j'ai une superbe équipe avec moi. J'ai avec moi l'ange Maxime. Oui, l'ange Maxime, c'est parce que je suis mort. T'es mort! C'est toi qui établis ce que t'es. Oui, je suis mort, je suis tombé dans l'égout. Ah, comme Fern! Ah, c'est comme ça qu'il m'ouvre. Fern Day Boys, oui. Ah bon, ben oui, ben je me suis sûrement inspiré de lui. T'avais quel âge? Hein? T'avais quel âge quand t'es mort? Ben, 36. Hey, je sais même pas, je pense que j'ai 36 ans. 36. C'est pas quel âge que t'as. Je sais pas si j'ai 36 ou 37, j'ai 36. T'es bien épais. On m'indique que j'ai 36 ans. C'est pas quel âge. Non, mais viens un âge, hein? Tu sais, quand on est jeune, nos parents, ils se souviennent plus de leur âge, puis on comprend pas. Puis là, tu vieillis, puis tu fais ah ouais, je comprends. Ben oui, ben je sais que t'es dans le groupe humoristique Les Picbois, puis je savais que tu serais le premier à mourir. Ah, bon. Tout le monde l'a deviné que ça va être lui. Et j'ai avec moi, évidemment, José Saint-Pierre. Comment qu'elle va? Elle va très bien. José Saint-Pierre, gestionnaire des portes du paradis. Portes du paradis. Yes. Beaucoup de paix. Ah oui, les portes du paradis. Puis tu vas nous parler de tout ça un peu en fin d'émission. Oui, là, parce qu'on a beaucoup de problèmes là, ces temps-ci. Il y a beaucoup d'attentes. Les gens chiolent beaucoup aux portes. Fait qu'on va clarifier comment bien se préparer pour notre entrée au paradis. Bon. Oui, en temps de pandémie. En temps de pandémie, bien sûr que les portes sont grandes ouvertes, évidemment. Tout à l'heure, nous allons voir aussi Daphné Côté-Harley, qui interprète, entre autres, l'ange des fromages Philadelphia, mais plein d'autres affaires très intéressantes. On est très contents. On va l'avoir live en France. Ça a l'air que là-bas, ça pue. Et on a avec nous... Oui, Dieu. Oui, c'est Michel Brûlé. Oh. Alors. Non! Oh non! Mais je vous croyais en vie, vous! Ben, je trouvais ça important de venir ici pour prouver que je suis bel et bien mort. En même temps, c'est peut-être une ruse. Oh là, j'ai bien des questions pour vous. Qui l'a laissé rentrer au paradis, lui, ben, là? C'est toi là. Qui s'occupe des portes! Ben, je sais bien, il a dû avoir une fausse identité ou quelque chose, là, parce que moi, je me rappelle pas de l'avoir laissé rentrer. Parce que c'est ton... celui qui te remplace, je lui ai offert une copie de mon film Kaido, qui est très rare. Ah, il est très rare, Kaido. Ben, il se trouve sur les réseaux sociaux là, maintenant. Mais... Oui. Est-ce que les vélos sont acceptés au paradis? Moi, je touche plus à ça, les vélos. Oui. Ben... Je suis juste en segway. Ah, ouais. On en reparlera tantôt. On a nos propres vélos, mais emmène pas ton vélo quand tu arrives au paradis. Il y a les vélos du paradis. Ben oui, on a tout, tout ce que tu as besoin. On l'a stock, mais emmène pas tes propres affaires parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Là. Michel, il a l'air d'avoir amené sa chemise. Oui. C'est la chemise dans laquelle je suis mort. Oui, ben, elle s'est pognée dans le guidon. Ben oui, vous seriez mort au Brésil dans un accident de vélo, effectivement. Oui, et tout le monde doutait de ma mort. Et là, je suis venu ici pour dire, écoutez, je suis mort, et je crois que c'est un complot politique.
En tout cas, moi, je vais checker mes papiers parce que je me rappelle vraiment pas de vous avoir vu passer. Puis moi, je dis allô à tout le monde qui passe. Fait que. Ouais. Non, mais en même temps, s'il non, mort, non, je suis qui fait ça. Je suis mort. Et il y a plus. Il est rentré au paradis, ça veut pas dire qu'il est mort. Vous êtes pas mort. Il y a même pas d'auréole. Il y a même pas d'auréole. Vous avez pas d'auréole. C'est juste les anges. C'est que, bon, voyez. Bon. Là, on n'est pas ici pour débattre d'auréole ou non. Ouais. Je suis mort et pas besoin de me retrouver. Ouais. Ben, vous êtes là, là, si on... Ben oui, par souci de transparence. Moi, j'avais une édition, une maison d'édition qui s'appelait Les Intouchables. Oui, ça portait bien son nom. Oui, et là, on m'a poursuivi pour des raisons qu'on ne rentrera pas dans le détail. Puis là, moi, j'ai été me relaxer, comme on peut dire, au Brésil, parce que moi, je suis un polyglotte, hein. Je parle 8 langues. Oui. Oui. Okay. Comme moi, j'en parle 273 maintenant. Moi, je parle le mexicain, l'espagnol, l'aztèque. Ben, dis-nous donc, joyeux Noël en aztèque. Ouais. Bon. Oklakoka. C'est pas exactement ça, mais c'est vrai que c'est pas loin. C'est pas loin. Oklakoka. Ouais, mais parce que toi, je sais pas si ton aztèque il vient de où, mais moi, il vient de. Il vient de sud de la France. Ah. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu une petite migration là, il y a peut-être un petit peu. Je pense à ça, c'est un peu chaud une longue chemise comme ça au Brésil là. Tu sais, je veux dire, moi, si j'allais. C'était mis propre pour aller en vacances. Ouais, ouais. Si j'allais au Brésil. Non, là, mais écoutez, là, c'est parce que moi, je m'en vais au Brésil, je suis pas pour tout changer ma garde-robe quand même. Ouais. Hein? Tu sais, il y a un moment donné, il faut être. La logique est où selon vous? Moi, je pense pas que vous étiez au Brésil. J'étais au Brésil. Oui. Et je peux même vous raconter mon accident de vélo. Ah, on pourrait ça de l'entendre, évidemment. Mm-hmm. J'étais dans un café brésilien. Oui. Oui. Et, pas le même pays que le Mexique. Et ouais. Je prenais un petit café brésilien. Oui. Et là, je suis sorti, j'ai mis mon chapeau comme ça. Et là, je me suis approché de. Le lit, comment? Comme ça. Comme ça. Oui, OK. Et là, ça je me suis approché. Ouais, je me suis approché de mon vélo, puis là, il y a deux Brésiliens qui sont approchés. Oui. Puis là, je les ai vus, puis j'ai dit, ah, oh, c'est la CIA, ça. Fait que là, j'ai embarqué ma bécane, puis là, j'ai roulé bien, bien vite, ils ont commencé à me tirer après. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai qu'ils vont m'avoir, fait que j'ai pris une côte bien, bien, bien à pic. Mm. Là, ça j'avais plus de contrôle sur mon vélo, j'avais plus de freins, avec peu mes freins. Puis là, j'ai réussi à arrêter, j'ai bu de l'eau du Brésil, puis je suis mort empoisonné. Fait que l'accident de vélo, ben, c'est que j'étais en vélo. Ah, OK. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais comment ça, on n'a pas retrouvé votre corps? Non? Il a été mangé par les piranhas, j'imagine. Ah, c'est ouais, ça. Oui, parce qu'on sait qu'au Brésil, il y a beaucoup, beaucoup de requins. Oui. Pourriez-vous nous interpréter une de vos célèbres chansons? Ah, oui, c'est vrai. OK. Vous avez sorti un album, mettre ça en contexte. Elvis est mort depuis des années. Le King... Et dans sa tombe, ouais. Elvis, que penses-tu de notre musique? Elvis, que penses-tu de notre génération? Est-ce qu'il n'y a pas à douter, c'est on bien Michel Brûlé. On avait la chance d'avoir un pays. On a manqué nos élections. On préfère écouter Star Academy. Wow. Plutôt que se souvenir de René Lévesque. René. Tu dois te fouiller dans le nez. René. Que penses-tu de notre génération? Québécois, Pelado. Je me demandais s'il y avait de la bonne musique au paradis. Moi, ben maintenant, il y en a. Il y en a pour tous les goûts, mettons. Écoute, j'ai sorti un album, j'ai sorti un film, j'ai publié des Aurélie Laflamme. Je suis la deuxième maison d'édition la plus grosse au Québec. Je vois pas pourquoi je me serais suicidé ou me caché au Brésil. Qui a parlé de suicide? De toute façon, si tu serais suicidé, tu serais pas au paradis, tu serais en enfer. Ben voilà, et voilà, j'ai été assassiné pour mes convictions politiques sur René Lévesque. Oh. Hey, le référendum au paradis, oui. Tu sais, on en pense quoi? J'y travaille. Parce que moi, je me suis lancé en politique 3 fois dans la section Mont-Royal. Ouais. Ça a passé proche. Ah ouais. Voulait un ciel souverain. Mais c'est pour ça que je dérangeais le monde. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont tué. C'est le maire Fernandez, à mon avis, qui est derrière ça. Ah ouais, OK. C'est un personnage, tout honneur, maire. Mais, ouais.
De toute façon, au paradis, ça, c'est une monarchie, là, fait que tu n'as plus besoin de parler de référendum. Non, ça ne sera pas une monarchie parce qu'écoutez... Oui, non, c'est bon, il n'y aura pas des élections au paradis, là. Non. Je vais relancer une nouvelle Bible dans laquelle le Québec devient souverain. Là, Dieu, mets-moi ça dehors, cette affaire-là. Je sais pas ce que ça fait, là. Non, mais chez la liste, t'es même pas mort. Moi, l'autre jour, j'étais dans un bar, puis là, j'ai vu des jeunes qui buvaient de la Molson. J'ai été les voir. Hey, savez-vous que le Molson a été l'un des plus gros colonisateurs du Québec? Ah ouais. Ouais. Puis là, moi, je buvais de la Laurentide. Puis. J'étais pas prêt pour ça. Mais c'est après ça que mon chum Falardeau m'a dit que la Laurentide, dans le fond, c'est de la Molson canadienne. Ouais. Et qu'elle avait juste changé l'étiquette pour. Les comptes souverainistes, oh ouais. Je me suis fait avoir. Ouais, il l'avait dit, tout le monde en parle. Puis j'avais peinturé dans mon garage un gros logo de la Laurentide. Ça m'avait coûté plus de 10 000 $. Mais là, j'ai changé ça, là. C'est un gros logo du Canadien. Du Canadien de Montréal. Du Canadien de Montréal, parce que ça nous appartient. Mm-hmm. C'est Jeffrey Mols... Oh non. Ouais, savez-vous pourquoi on a perdu la souveraineté? Ouf, pourquoi? C'est à cause des femmes. Ah, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est vrai, c'est des études qui prouvent que c'est à cause des femmes qu'on a perdu la souveraineté parce qu'eux autres avaient peur de perdre leur privilège. Ouais. Dans le temps, là, on a dit que les femmes avaient le droit de vote, mais c'était le mari qui avait deux votes, dans le fond. Oui, alors, c'est des propos qu'il tient dans son film Kaido. Ça, vous avez fait ça, ce film-là? Oui, j'ai fait ça. Puis pourquoi il n'est jamais sorti, finalement? Il a été boycotté par Pelado. Mmh. Ah, c'est pour ça qu'il n'est jamais sorti. Parce que cette année-là, il sortait aussi le film Un homme et son péché. OK. Puis c'était Pelado qui produisait ça, puis il avait peur que je gagne Moujoutra. Fait que... puis on avait parti la mode pirate. Je vous conseille d'aller voir Kaido, là, maintenant, depuis que je suis mort. Ben, il est disponible sur Internet. Kaido. C'est vrai que c'est bon, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Là, c'est bon. C'est un vrai petit délice. Puis on parle aussi que c'est pas que les femmes peuvent agresser sexuellement les hommes aussi. Puis... parce qu'il y a une scène où c'est une femme qui suce un homme qui est en train de dormir. Je sais pas pourquoi vous me regardez de même. Hein. Moi, je suis un ange, homme-femme, ça n'a pas vraiment rapport. Puis je peux regarder qui veut. Je suis libre. Yep. C'est ça la souveraineté. Si on avait été souverain, mais là, on est ligoté par les chaînes de Molson. Alors, on est avec Michel Brûlé. Oui, Michel Brûlé est là avec nous. Ben, c'est tout un privilège. Écoutez, merci beaucoup, Michel. Daphné de rejoindre à nous d'ici quelques minutes. Alors, d'ici là, pour faire taire M. Brûlé. Changer de sujet. Voyez-là avec des questions, je vais demander. J'imagine que vous lisez La Gazette. Hein? Mais La Gazette, c'est un des plus gros colonisateurs au monde. La Gazette? Moi, je lis pas vraiment La Gazette. La Gazette. C'est pas vraiment le journal de paradis, anyway. Existe-tu encore, La Gazette? La Gazette. Moi, je suis abonné hein, pour voir toutes les menteries qu'ils nous disent. Puis à chaque année, ils m'invitent à leur party de Noël parce que je suis leur meilleur client. Puis j'y vais. Oui, mais puis je me saoule, puis je suis trop malade dans les toilettes. Vous êtes actionnaire de La Gazette aussi. Un party de Noël sur deux, ils me réveillent dans la toilette le lendemain. C'est eux autres qui vous ont donné votre vélo à l'échange de cadeaux. Oui. Ben... un beau vélo. Un beau vélo, pas de perdre. Ben, merci beaucoup, Michel Brûlé. Donc, en attendant, il n'y avait pas de siège. Ouais. En attendant Daphné, ben, j'avais demandé, je vous rappelle, je suis Dieu, on le reconnaît avec la tuque de Noël. J'avais demandé aux gens s'il y avait des questions pour Dieu sur Internet. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Ouais. Alors, voyons voir. Mathieu Diozzi demande, question pour Dieu, avez-vous reçu des redevances pour le livre pour le livre La Bible, combien faites-vous d'argent? Ah, ça, je peux m'occuper de ça. un éditeur ici. Ben, moi, selon moi, la Bible, il faut en prendre et en laisser. Là. Si c'était moi qui l'avais faite, ça serait plus court. Ça serait plus court. Ah. Puis je garderais juste comme les orgies, puis les inondations, puis tout ça. Puis là, ben, depuis qu'il les a plus dans les hôtels, ben là, c'est moins. Il reste les procès. Il les a plus dans les hôtels? Non, il les a plus dans les hôtels. Fait que là, disons que les temps sont durs. On pourrait mettre des Aurélie Laflamme à la place. L'album de Michel Brûlé. Des Aurélie Laflamme des autres. Les mémoires de Jacques Parizeau. Elvis. Qu'est-ce que tu penses de notre musique? Oh boy. Oui. À la poubelle. Alors, François Guillaume demande, Dieu, pourquoi as-tu créé la flaque? Ben, j'avais bu. Hein? J'avais bien bu, puis je me suis réveillé, t'es rendu à saison 15. J'ai fait un méchant saut. Robert Collins demande, Dieu, c'est un prénom ou un nom de famille? Si c'est un nom de famille, c'est quoi votre prénom? Eh bien, mon prénom, c'est Aline. Mm-hmm. Aline Dieu. Aline Dieu, effectivement. J'ai joué dans votre film, hein? Je vous faisais signer mon album. Je vous donnais un album vinyle normal, puis vous receviez un gros vinyle avec un oui, gros je m'en crayon. Rappelle. Oui, je m'en souviens. C'était moi, ça. Ouais. Ensuite de ça, il y a...
Il y a... Ce sera pas bien là. Stephen Côté... Temps, Dieu, hein? Ben oui, non, non, ben c'est parce le que... Le temps est relatif. Ben oui. Stephen Côté demande, Dieu, pourquoi êtes-vous en chicane avec Satan? Avez-vous déjà essayé de recoller les morceaux? Ah. Ben Satan, c'est un maudit gibier de potence. Il dit toujours ça, mais ils sont best chums. Ils finissent toujours par se saouler le vendredi soir. Oui. Xavier Landry demande, question pour Dieu, pourquoi Nicolas? Ça, c'est une très bonne question. On me la demande pratiquement quotidiennement, je dois avouer. Ben, en fait, j'avais trop de pâte à modeler, fait que là, ben, j'ai fait Nicolas. Mais là, j'ai manqué de cheveux, fait que c'est, ça explique, ceci explique cela. Puis ses cheveux, ben, c'est du poil de poche. puis Michel. Ouais, Michel aussi a manqué. Michel, j'en avais plus. Michel, j'en avais plus partout. Victor Roux demande qu'est-ce qu'on mange au paradis? Ben, des nuages. Ben, alors, pas juste ça, là. Ah, c'est ça, Mathieu et Nicole. Moi, j'aime bien les bons filets mignons. On mange mignons, ce qu'on là. Veut. Là. On mange ce qu'on veut. Mathieu et Nicole demandent comment on fait pour apporter sa pape au paradis. Ben, c'est comme au festival de jazz, c'est que tu te la mets comme d'un bobette. Hey, là, Dieu, là, ça, c'est le genre de conseil qui m'amène plein de problèmes à la porte. Moi, j'essaie de contrôler les cèpes, puis là, le monde arrive avec ça. Des bouteilles cachées dans leur bobette. Tu mets ça dans tes bobettes, ils te pogneront pas à poche. J'ai fait ça aussi avec mon vélo. Hey. Des bobettes. Ben oui, c'est ça, explique cela. Le dérailleur a pogné d'Amazon. C'est sûr. Et Julien Lavoie Leblanc demande, « C'est-tu vrai qu'il ne se prend pas pour Guy Lepage? Sinon, la joke marche plus pantoute. » Ben, je sais pas de quoi tu parles. La question qui pue. Alors voilà, c'était les questions pour Dieu. Tant donné que Daphné n'est toujours pas là, ben on va y aller avec peut-être... ouais, on va y aller avec l'ange Maxime, tiens. On va mettre ton thème. Yes, sir. Daphné, rejoins-nous si tu nous entends. Sinon, bon, peut-être Maxime, que je lui fais peur. Sinon, Maxime reprendra sa chronique après. Là. On va s'ajuster. On s'ajuste. Pas de problème. Ça fait juste 4 milliards d'émissions qu'on fait. Il y a du trouble au paradis. Fait ben que là, oui. C'est à moi, là. Oh. Ouais, c'est à toi. Ah! Oh! Oh! Non! Vincent! Non. Ouais, parce que là, j'ai inversé. Excuse-moi, Vincent. Eh, boy. Vincent, lui, était tout prêt dans ses affaires, puis on lui a tout chié ça. T'es mort comment, toi, Vincent? Il s'est tué. C'est très dangereux, le vélo. Donc, tu vas mourir comme Michel Brûlé. J'ai eu l'argent que j'avais pour aller voir tous les gars-là juste pour rire en 2021. Et je me suis par la suite fait tuer par les motards parce que j'avais pas assez d'argent pour voir. Ah ouais, la moitié des gens au paradis, c'est ça. L'autre moitié, c'est le vélo. Comme Coluche. Comme quoi l'humour peut être dangereux. Oui, comme Coluche. Alors, on va y aller avec l'ange Maxime. Oui, ben cette semaine-là, je pensais... je pensais au paradis, je pensais à Dieu, je pensais à Bill. Puis, il y a une question que je me pose depuis super longtemps. Puis, j'ai dit, tiens, je vais profiter du fait que je vais de ma chronique pour aller au fond de cette question-là. Je me demandais s'il y avait de l'humour dans la Bible. C'est quand même une bonne question. C'est longtemps que je ne l'ai pas lu. Pas bien, mais le temps. Hein, ouais, c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'il y a de l'humour dans la Bible? Et on peut même ben, l'humanité est une immense farce. Oh, venant de Dieu. C'est brutal. Ouais. On peut même pousser ça plus loin en se demandant, est-ce que Jésus avait de l'humour? Est-ce que Dieu a un sens de l'humour? Non. Fait que j'ai fait des recherches, là, on s'entend, là, des recherches un peu boiteuses sur Google. Oui. Puis j'ai trouvé quelques pistes de réponse, fait que je vais beaucoup citer les sites un peu louches que j'ai trouvés, mais quand même, on pointe du doigt un peu certains traits d'humour de la Bible. D'accord. Puis on va explorer ça ensemble si vous voulez bien m'accompagner. J'avais cherché à me demander si Hitler avait déjà fait des jokes. Ah ouais? Il y a une vidéo YouTube d'Hitler qui fait une blague. Ah ouais? Oui. Tu te souviens-tu c'est quoi? Ben c'est comme... ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il fait un... Dis-le en allemand, je veux la comprendre, je parle 8 langues, sauf l'anglais. Sauf le français. ben, il nomme plein de pays. Il fait comme ses fameuses orations devant plein de gens. Là, puis, Excuse-moi, je viens de recevoir un message de Daphné qui dit « J'attends que le Vincent du Zoom m'accepte. » Ça dit « En attente du démarrage de cette réunion par l'autre. » Ah bon, ben regarde, on va y aller avec Daphné. Puis ta chronique n'est pas débutée de toute façon. Puis, en tout cas, googlez « Hitler fait une blague », mais on ne va pas la partager sur la page Facebook. Non, peut-être pas. Hein? Non, peut-être pas, mais ça se trouve. En tout cas, mon grand-père, c'était un grand farceur, vous le connaissez, Saint-Pierre, celui, tu sais, toutes les bonnes blagues, là, quelqu'un arrive aux portes du paradis, puis là, Saint-Pierre, il fait une petite blague, là, ça, c'est tout mon grand-père. C'était un grand farceur. Ah. Oui, oui. C'est bon. Vrai, Saint-Pierre, oui. Je veux-tu avec ma chronique ou on attend le Zoom? Ben, ah, elle, là, on va y aller. Je peux faire une blague aussi. Vu que je ne l'ai pas débuté encore, on va la faire après. Vas-y, Michel. Elle n'est pas dans le bon Zoom. Elle n'est pas dans le bon Zoom. Ben, on s'ajuste. Hein? Mathieu, t'as pas partagé le bon lien. Je peux faire une blague souverainiste? Ben, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le bon lien? Ben, pas moi, là.
Ça serait Vincent qui l'aurait. Oui, c'est moi qui l'ai. On ne me voit pas dans la caméra en passant. Voici ma blague souverainiste. C'est Jacques Parizeau, Pierre Curzi puis René Lévesque qui sont dans un bar. Et René Lévesque lève beaucoup le verre. Et à un moment donné, ils disent « René, t'es sous. T'es souverain. » Ah oui. C'est bon. Est intéressante. Je la compte à chaque Noël. OK, ben d'ici là, on va pas laisser les auditeurs sur rien, là. Maxime, quand débute ta chronique. Bon, OK, je vous laisse aller. Fais-nous rire. OK. Bon, alors, ben là, je vais vous citer. Le premier site que j'ai visité s'appelle Le Pèlerin, et c'est un article qui se nomme « Article Dieu est humour ». Fait que je vous cite un peu ce qui se dit là-dessus. Ça dit « La Bible regorge d'anecdotes amusantes et les saints joyeux ne manquent pas. Pourtant, il n'est pas évident de faire le lien entre l'humour, la joie et la foi. L'image d'une église opposée au rire perdure pourtant. Est bonne. La solution? Pratiquer l'humour chrétien. Donc, à qui se fier, hein? Ben, il faut se fier à Jésus. Et là, on se pose la question, est-ce que Jésus a déjà ri? Malheureusement, on ne le dit nulle part. Mais Jésus a de l'humour. Et les évangiles montrent son humanité en disant, entre autres, qu'il mange et qu'il boit. Donc, si Jésus mange et boit, ben, ça veut dire qu'il est humain, ça veut dire qu'il rit. On peut s'entendre là-dessus. Là, déjà, on a des bonnes pistes que Jésus a un sens de l'humour. OK. Je poursuis. Aujourd'hui, Dieu est souvent vu comme une autorité sévère. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Mais l'image c'est une grande équipe qui travaille à garder son image propre. Ouais. Et ça dit, l'image de la barbe blanche et d'un Dieu père fouettard est fausse. Le Christ a pris un visage humain. Il y a en lui une abondance de joie. Pour savoir quel est l'humour de Dieu, il faut chercher le visage du Christ. Et là, je vais citer Monseigneur... C'est vrai qu'il y a une drôle de face. Je vais citer Monseigneur Patnaud qui compare le Christ à un clown. Il dit, le clown n'est jamais vulgaire. Il parle et fait rire les enfants. Fait que tu sais, dans le fond, l'humour biblique, l'humour de Jésus, c'est pas de l'humour comme aller voir un spectacle d'humour. C'est un peu un clown qui se mettrait les yeux cross-eyed pour faire rire un enfant. T'sais. Ben, comme le petit tour de l'eau en vin, là, c'est un peu un tour c'est de clown. C'est un peu, ouais, c'est ça. C'est un peu comme un petit tour de magie, ça amuse c'est les pas, gens. C'est pas de même l'élever. Ouais. Et là, je me dirige ensuite de ça vers le site jechercheDieu.ch. J'imagine que c'est point chrétien, je sais pas trop. CH. Ouais, c'est point chrétien. Canadien de Montréal, peut-être. Ouais. Et l'article « La Bible ne fait pas de blagues » interdit-elle la plaisanterie? Pourtant, ça fait du bien. Alors, il y a une question d'un visiteur qui dit « Je m'intéresse depuis quelque temps au rire et à l'humour dans la Bible. Je ne trouve pas grand-chose là-dessus alors qu'on nous parle toujours de joie. Et puis, j'ai buté sur une phrase qui me laisse un peu perplexe dans Éphésiens, chapitre 5, verset 4. » Ouais, je m'en rappelle de celle-là. Ça dit « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. » Alors là, on revient au visiteur du site qui dit, je me dis qu'il y a peut-être une traduction à préciser parce que peut-être qu'on parle plus de moquerie que de plaisanterie. Mm-hmm. Ce serait un peu intense qu'il n'y ait pas de plaisanterie. Et là, il dit, ça donne envie de dire comme Martin Luther, si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas vraiment à y aller. Effectivement. Bon. Effectivement. Ah ben oui. Et là, il y a un pasteur qui lui répond. Et là, c'est là que ça part qu'on va avoir des réponses sur l'humour dans la Bible. La réponse du pasteur dit « Il me semble qu'il y a pas mal de passages qui utilisent une certaine forme d'humour dans la Bible. » Oui, je les connais. « En tout cas, des passages qui abordent des sujets essentiels en retournant la perspective de façon humoristique. Car c'est à ça que peut servir l'humour, pas seulement pour se moquer des autres. Par exemple, le soleil, la lune et les étoiles étaient considérés par certains voisins des Hébreux comme des divinités ou comme déterminant l'avenir des humains par l'astrologie. Que ces nobles astres soient... Dès la première page présentée comme de mignons petits lampions accrochés à la voûte céleste, c'est une façon humoristique, non démonstrative, de présenter son avis sur la question. Ouais, bonne. C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle de penser que les étoiles, ça veut dire de quoi? T'aurais dû me voir faire les étoiles. Ouais. L'histoire d'Adam et Ève avec le serpent qui parle avec de multiples « c'est pas moi, c'est l'autre » me semble être une façon qui n'est pas dénuée d'humour de parler d'un sujet pourtant grave et essentiel, de la racine même du péché et de la folie qui menace chaque personne. Et le déluge, lui... Avec ce ce gigantesque bateau avec une collection complète de tout ce qui vit, n'est-ce pas une farce pour nous dire « Essayez donc de sauver vous-même le monde entier? » La tour de Babel et ses deux lectures possibles qui sont aux antipodes l'une de l'autre, le projet des humains est en soi une chose géniale, soit un péché,
N'est-ce pas une façon amusante et ludique de nous faire nous poser la question sur nous-mêmes? Ben, et la logique est où, d'après vous? Notre regard? Pardon? La logique est où, d'après vous? En Égypte, probablement. Fait que les contradictions dans la Bible, c'est comme une joke. Et cette histoire de Jacob qui achète pour un plat de lentilles le droit d'aînesse à son frère gourmand, qui se déguise pour sembler aussi poilu que son frère et tromper son père, que ce soit cet homme-là qui soit le héros de l'histoire, n'est-ce pas digne des farces de Molière? Quand même! Hein? On va chercher loin un peu. Ou Jonas, qui trépigne de colère parce qu'un petit ver fait tomber le plant de courgettes qui lui faisait de l'ombre en période de canicule. Les phrases et les paraboles de Jésus aussi me semblent pleines d'humour. Par exemple, quand il dit qu'il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ou quand il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Oui, de moutarde, la même qui nous monte au nez. La graine pleine de moutarde? Qui aurait osé? Non, c'est pas ça. Ah, OK. OK, j'achève. Mais c'était ça, mais ils l'ont changé. Attends. Et dans le récit de Pentecôte, acte 2, 13, 15, me suggère une amie Facebook. Il est écrit que l'apôtre Pierre explique pourquoi les disciples enflammés d'Esprit Saint ne sont pas sous. Non, ces gens-là sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour, soit 9h le matin. Je ne sais pas si c'est de l'humour involontaire, mais j'ai toujours trouvé cette précision d'horaire irrésistible. Effectivement, Pierre reconnaît qu'il pourrait arriver que leur joyeuse bande se saoule dans l'après-midi. Ça, c'est drôle, ça? Ouais. OK. Mais en fait, vous avez raison. Ce sont plutôt trop de théologiens et de bigots qui prennent la Bible, ou plutôt qui se prennent eux-mêmes trop au sérieux. Car oui, le rire, un certain humour, est salutaire. Surtout quand il est tourné vers soi-même, à vrai dire. Surtout quand on fait de la théologie, c'est-à-dire qu'on entreprend de parler savamment d'un sujet qui nous dépasse infiniment. Dans ce cas, soit on le fait avec une certaine dose d'humour, ou soit on est fou. Ça qui est arrivé, Maxime, mon bon Maxime. Quand ils se sont mis dans la petite pièce là, pour faire la version finale de la Bible, je m'en rappelle. On en avait mis des jokes là-dedans, puis ils ont tout coupé, ils se sont dit « Le monde, ils vont pas comprendre, ils vont mal interpréter ça, parce que, tu sais, l'humour, on sait jamais, ça peut froisser. » Il y en avait de la joke au pied carré là-dedans, là. Fait que, mettons, ça dit un peu, moi, pour raconter des niaiseries de même, il faut que tu aies de l'humour. J'imagine, en quelque sorte. J'imagine que oui. Oui. Mais ça dit que... Un peu dans notre manière de lire la Bible, on peut en venir à sourire. T'sais. Puis c'est jamais sous le signe de la moquerie, c'est toujours vraiment sous le signe, disons, appelons ça l'humour chrétien. C'est comme quand il y a des contradictions, quand il y a du monde chaud le matin. C'est ça. C'est l'humour chrétien. Moi, avant de mourir, parce que je suis mort, plus besoin de me chercher, là. Mais pourquoi vous n'avez pas d'auréole? Alors, avant de mourir, on m'avait proposé d'éditer la Bible chrétienne. Mm. Et c'était écrit par André Moreau et Richard Glenn. C'était une Bible sur la sexualité des êtres humains et des animaux. On vous aurait pas laissé publier ça. Non, mais là, c'était sur la planète Terre, ma chouette. Vous en avez parlé de ça, c'était vraiment intéressant. Pouvez-vous en parler d'un passage qu'il y avait sur le sexe avec les animaux? Oui. André Moreau explique qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucune morale à avoir du sexe avec les animaux, car c'est des beautés de la nature. Et il n'y a pas de condom, les chiens. On fait l'amour à une chienne magnifique et qu'on lui on explore tous ses délices anales. Il n'y a aucun mal là-dedans. Non, c'est sûr. Des fois, on me passe pour un monstre, quoi de même, mais j'ai refusé de l'éditer, Mm-hmm. J'ai gardé une copie, mais je l'ai pas utilisé. Non, parce que ça sert à être un ticket direct pour l'enfer, mon beau. Est-ce que Daphné est pas loin? Oui, Daphné est là. Hey! Daphné est là, ben on va prendre Daphné. Elle attend un moment stratégique. Oui, ben on fallait entendre parler de la zoophilie. T'es l'invité à décider, assis-toi, ça va être temps de parler. Allô? Va être temps de niaiser. Bonjour! Bonjour! Daphné, m'entendez-vous? Oui, on t'entend. Là, on est au ciel, nous autres. Ah ouais, c'est ça, vous êtes au paradis. Ouais, moi, c'est Dieu. C'est qui, Dieu? C'est moi. Julien, OK. C'est moi, celui qui est le truc de Père Noël. Moi, je suis Michel Brûlé.
Michel Brûlé, parfait. Oui. C'est lui qui écrit des livres. Ouais, non. Ouais, c'est ça, ouais. On n'ira pas plus loin que ça. Plus loin. Bonjour Daphné, moi c'est José Saint-Pierre, gestionnaire des portes du paradis. Bonjour José, enchantée. Enchantée. Bonjour Daphné, moi c'est Maxime, j'ai interprété ton chum dans le film Maria. C'est vrai. Ah oui, la scène, du, la scène, tu reçois de la moutarde dessus. Je m'échappe de la moutarde de mon hot dog dessus. Grande scène. Oui. Ben, c'était pas une intéressante. Mariana, elle a dit ouvertement qu'elle avait détesté ce gag-là. Elle voulait faire un livre là-dessus, mais je ne l'ai pas édité. Parce que ça parlait pas de notre Québec souverain. Ben, comment il s'appelait déjà le livre? Moutarde. Oui, c'est ça, c'est sûr. Comment qu'elle va, Daphné? Elle va bien. Il est quelle heure, là, où est-ce que t'es? Il est 17h30. Oh mon Dieu, il est tard. Il est tard. L'heure de ma mort. Puis c'est comment en France là-bas? Est-ce que ça sent bon? Ça sent bon, il fait beau, c'est printemps. Ouais. Ah. La COVID n'existe plus, c'est parfait. Il n'y a plus de COVID en France? Ben, ils font comme s'il n'y en avait plus. Ah, OK, ben, il n'y en a plus en ce temps-là, c'est sûr. C'est moi qui ai inventé ça, la COVID, par ailleurs. Est-ce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'ailes de poulet dans les épiceries? J'en ai jamais vu, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est ça. Okay. C'est vrai. Mais ben, il n'y a pas un gros rayon surgelé habituellement. Non, c'est rien que des yogourts puis du pain. Ouais. Puis du bon vin. Puis du bon vin. Ça j'aime ça. À la crème. Oui, la crème, effectivement. Alors, toi, tu viens de Saint-Jean-Chrysostone, c'est exact? Non. Parfait. Ben, ta mère vient d'être là? Non plus. Non, je viens de Saint-Nicolas, mais c'est pas loin. Ah, OK. Non, c'est pas loin. C'est pas loin. Non, okay, c'est pas donc. Loin. Non, non, c'est Saint-Jean, ça. Saint-Jean, c'est plate, Saint-Jean. Saint-Nicolas, c'est bien mieux. Saint-Nicolas, le Père Noël, on l'aime. Ben oui, effectivement. Il est bien fin, Saint-Nicolas. C'est à côté de Charny. Tu connais? Ben oui. Est-ce que t'es fan du 8-3? Ouais. J'avais mon local scout à côté de où est-ce qu'il faisait du skate. Ah oui? C'est-tu ton local scout à Saint-Nicolas? Ouais, à Saint-Nicolas, au skatepark. C'est là que moi, j'allais au scout, j'avais genre 10 ans, puis il y avait le 8-3 qui fumait du pot, puis qui faisait du skate juste à côté. Ouais. Faut que tu comprennes ça. Moi, je ferais jamais ça du skate. Non, faites pas du skate de grâce. Fait que es-tu allé à Leslie? Non, je suis allée à Pointe-Lévis. Ah, moi, t'as dit ta affaire. Tu viens de là aussi, hein? Je connais ta cousine. Ben, tu connais. Ça se peut. Laquelle? Clémence? Ouais, Clémence. Ouais, tu connais Clémence, oui. Ben, je l'ai appris hier, ça. Dans mes recherches. Quoi? Je l'ai appris hier dans mes recherches. Voilà. Ben, t'es Dieu, tu devrais tout savoir. Oh, ouais, non, ben, je suis avec Clémence Bernatchez, la cousine à Dieu, effectivement. On la salue. Ben oui. Mais sinon, ma sœur Marion a travaillé avec ta mère aussi, alors. Marion a travaillé avec ma mère? Ouais. Dans les bibliothèques. Ta mère est clown? Ouais, ma mère est clown. Ça, où c'est qu'elle a trouvé sa vocation? Ben, elle a étudié en théâtre, elle était comédienne à la base, puis elle a commencé à faire du clown, puis elle est tombée en amour avec la profession, puis elle a fait ça pendant 40 ans. Wow! Ah. C'est honorable, ça. Ouais. Julien a un fétiche des femmes clowns. Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, je vous reparlerai plus tard de ça. Salut Daphné, c'est Michel Brûlé. Je suis un grand fan des francs-tireurs. Est-ce que c'était la femme clown qui avait passé au franc-tireur, ta mère? La femme clown qui avait passé au franc-tireur? Ouais, ben tu l'aurais su. Non, laisse faire. Donc. Non. Il montre souvent cet épisode-là parce qu'il y a Giboulé dedans. Est-ce qu'elle connaît Giboulé? Tu travailles avec lui? Les clowns du carrousel, non? Non, OK. Elle, c'était solo. Non, elle est très indépendante. Elle fait ses trucs de son bord. Comme toi. Tout le temps tout seul. Oui, non, comme je comprends moi. Ça. Effectivement. Où c'est que tu as eu le malheur de rencontrer Maxime? Moi, c'est la pire erreur de ma vie. Comment j'ai eu le malheur de rencontrer Maxime? Ouais. Ben, moi, je m'en souviens. Hey, je sais même pas. Hey, Ah oui! Attends, mais c'est parce que moi, avec mon meilleur ami, Jérôme Lajoie, que je salue. Salut, Jérôme. Qui est un grand fan et qui vous finance sur vos deux Patreons. Donc, il m'a demandé de faire un petit shout-out. Là. Mon Dieu. Salut, Jérôme. Merci, Jérôme. Tu payes mon pain. On allait voir les shows des Pic-Bois au Théâtre Sainte-Catherine avant que je rencontre Max. Fait que je le connaissais un peu. Fait que dans le fond, c'était sur un gag juste pour rire, c'est ça? Oui. C'est ça. C'est ça, hein? Il était figurant sur un gag. Ah, j'étais figurant. Puis, en gros, j'étais dans une foule, tu sais, un peu poule aux œufs d'or, là. C'était un faux policier qui amenait une victime. Puis là, c'est comme s'il nous faisait nous voter pour combien allait être son ticket. Oh. Puis Daphné faisait l'espèce de régisseuse de ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Puis c'était drôle parce que je me suis vraiment mis
au fond complètement de la foule. Fait que, on me voit pas pantoute, là, j'étais juste de même. Ben oui, mais effectivement, c'était dans mes notes, en fait, de travailler sur la mouture 17, 18 et 19 des gags, juste pour rire. Puis tous les gens qui ont travaillé sur les gags juste pour rire ont au moins une anecdote de tout ça, d'un gag de marde qui n'a pas marché ou d'une mauvaise expérience. Ah, ben, y en a beaucoup, là. Ben, ouais. C'est souvent... des anecdotes. Hey, je peux pas dire, ça fait longtemps. Comment oublier les gags? Oh, vous auriez dû m'envoyer la liste des questions. Là. J'aurais réfléchi avant. Ah, ben, je pense que regardez, j'ai pas l'air spontané du tout. Donc, mais, non, mais il n'y a pas de pression, on est au ciel. Là. oui, c'est vrai, on est au ciel. OK. Pas l'oublier. Une anecdote sur les gags. Ben, des fois, il y a des gens vraiment violents, là, genre qui me poussent là, quand je leur dis vraiment... « Non, il y a une caméra cachée! » Ils sont genre « Non! » Ils sont vraiment violents. Ils sont « Non, il y en a pas! » Ben oui! C'est l'espèce de fausse toilette. Moi, on m'avait déjà pris dans un gag juste pour rire. C'était une femme qui venait me présenter ses services sexuels et j'avais accepté. Bonne blague. Ils n'ont jamais trouvé la caméra. C'est avec en vélo. C'est sûr. Sinon, tu as beaucoup d'expérience de tournage dans les projets d'Alex Pronovo, Maria, J-Boy, complètement lycée. Travailler avec lui, est-ce que ça compte pour travailler? Parce qu'il est tellement agréable. C'est être avec les amis et tout. Non, ben mais Alec, oui. Il est très pro. Même si on est amis, il est très professionnel ben oui. Quand on travaille et tout. Là. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Mais oui, c'est travailler est fun. Travailler est le fun, c'est noté. Ouais. Alors, écoute, on peut pas passer sous silence que tu es maintenant le nouveau visage des fromages Philadelphia. Qu'est-ce que tu penses de notre décor? C'est très beau. Ça ressemble au plateau de tournage. C'est de la Watt, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai fait, là. Oui, c'est de la Watt. Non, c'est des vrais nuages. Au début, je pensais que c'était des ailes d'ange accrochées sur le mur. Là, j'ai dit, ah non, je pense que c'est des nuages. En fait, on va te le dire pour vrai, là, c'est des sachets de cocaïne taqués. Ça coûte, il y en a pour 1 milliard. C'est là qu'on le stack. C'est dans sûr, les nuages. J'ai dit combien additionné pour ça, à peu près, sais-tu? 4. Mais combien étiez-vous à auditionner pour ce rôle? Ah, combien on était auditionnés? Ouais. Beaucoup. Ouais, je sais pas. Mais non, on sait jamais. Moi, tu rentres là, tu auditionnes, tu croises 10 filles. Après ça, il y en a comme 10 par tranche de 20 minutes. Fait que, I guess que. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a démarqué des autres, alors? Honnêtement, je sais pas. Ah, ok, d'accord. Mais je faisais des blagues. Je pense que je faisais des blagues à l'audition. J'étais pas stressée. Ouais. Je sais pas, il voulait quelqu'un de... Léger comme un nuage. Il avait les grands yeux sympathiques, puis ça a fonctionné, je pense. Parce que, tu sais, je pense que, mettons, l'ange Philadelphia, tu sais, qu'on a connu avec, surtout avec Sophie Fauché. Ben oui. Après, il y a une fille de Ouattatatao, hein, qui l'a faite pas longtemps, son nom m'échappe, là. Ah, je savais pas. Ouais. Mais, tu sais, c'est quand même, je pense, un des personnages publicitaires qui a le plus marqué le Québec. Fait que, tu sais, quand tu décroches ce rôle-là, ça doit être quand même des grosses chaussures à chausser. Chaussures. Ouais. Des grosses ailes à porter. Ben oui. À fond, là, le premier jour de tournage, j'étais super stressée parce que je me dis, OK, là, je crée un personnage qui va peut-être perdurer ou qui, tu sais, que les gens attendent avec une brique puis un fanal en mode. Là, j'étais tout le temps en mode, je suis en France depuis un mois, donc je suis comme en mode. En mode. En mode, alors du coup. Mode, non, mais que les gens attendent parce que c'est mythique. Touchez pas à mon ange Philadelphia. Hein? Les gens, ils disent ça. Ils disent quoi? Laisse faire, continue ce que tu dis. Des fois, on parle des petits bouts. J'entends pas tout. C'est pas grave. En fait, il y a de l'écho. Voilà. C'est pas grave. Mais OK, ben continue. Tu disais que c'était stressant la première journée de tournage. Ah ouais, c'était quand même stressant aussi. Puis surtout, on tourne à Toronto. Donc, le plateau, tout le monde est en anglais et tout. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis en français. Puis là, c'est pas tout le monde qui parle français non plus. Fait que, ben, la Réal, oui, mais j'ai un retour francophone quand même. Mais j'ai l'impression que je parle, puis personne écoute autour, personne comprend. Que tous les textes sont anglophones. Fait que j'étais un peu, je sais pas si ça marche, mais finalement, la pub, je crois qu'elle fonctionnait bien. Puis, c'est ça. Mais avec Sophie, on est devenus très proches, moi et Sophie. Oh, oh, oh. Ah ouais. On s'écrit. Oui, oui, monsieur. Vous échangez des recettes de fromage. On s'échange des recettes de fromage, on s'est parlé de projets et tout. Ouais, on va peut-être même collaborer sur des trucs. On s'aime beaucoup. Un album de rap, tu me disais. Ouais, c'est dans les plans. Peut-être une suite à Diguindogne. C'est sûr. Quoi? Une suite à Diguindogne. Ah, oui, exactement. C'est les deux anges. C'est ouais, ça, voilà. Fille mon ange 2, peut-être. tu travailles en France maintenant. Est-ce que ça te manque, Big Brother célébrité? Hey, en plus, non, je suis en retard. Je me suis pris un VPN pour les premières semaines. Oui.
Puis là, là j'ai comme j'ai été dans le jus dans la dernière semaine. J'ai une semaine et demie, deux semaines de retard. Fait que là, je pense que je vais abandonner. C'est comme mais qu'est-ce que tu penses du départ de Stéphane Fallu? Il est resté une semaine, ça n'a pas d'allure. Hein, je sais, pauvre petit. Ben oui, il avait l'air démoli. Là. C'était l'enfant. Là, probablement, t'es en France pour filmer Weekend Family, qu'on peut trouver sur Disney+. Là, moi, est-ce que je peux écouter ça avec mes trois enfants de bas âge en toute sécurité? Comme Pam et Tommy. Oui, comme Pam et Tommy. Ben, pour vrai, oui, c'est une série hyper familiale, mais aussi pour les parents. Fait qu'il y a du second degré aussi quand même que les enfants vont peut-être pas capter, mais c'est très Disney, là, donc on avait comme mot d'ordre. Ben là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il n'y a pas le droit d'avoir d'alcool. Donc, on fait des soupers d'amis, on boit du thé. alcool. Il y a une scène dans un resto où je bois de l'eau et non du vin en France, alors que en France, c'est inacceptable. Pas de sacre. Sauf qu'ils m'ont fait dire des gros mots. Genre, eux, ils m'ont fait sacrer. Genre, dans la bonne annonce, je dis un gros « Ah, oh, tabarnak! » Ah ouais? Parce que pour eux, c'est drôle. Ouais, c'est pas vraiment un sacre. Ouais, pour eux, c'est pas vraiment un sacre, mais on n'avait pas le droit de dire comme meuf ou putain ou des choses comme ça. Fait que ton personnage dans la série dit tabarnak calice. Ouais. Ah ouais, c'est bien drôle. Mais je vais l'écouter. Je vais t'avouer quelque chose, Daphné. Je suis super content que tu aies eu ce rôle-là, vraiment. Sauf que. Il aurait voulu l'avoir. Non, j'aurais préféré qu'ils prennent, mettons, une Française qui imite l'accent québécois. Là, ça aurait été intéressant. C'est horrible quand ils font ça, c'est horrible. Ils me le font tout le temps en pensant que je suis comme ouais, je comprends ce que tu dis, puis ils sont genre. Ah, tabarnak, on va aller à la pastille ensemble. Comme si on était tous des attardés. On dirait le film Aline. Ben, qu'est-ce que tu fais tes journées en France? Tu plates? Non, ben là, j'étais bien dans le jus, en fait. J'étais en tournage. Ben, lors des tournages, évidemment, là, oui. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, là, la série, comme elle sort le 23 février sur Disney+, dans 110 pays. Et donc, on est comme en promo. Fait que cette semaine, c'était comme avant-première promo, les journées de presse et tout ça. Et voilà, je fais aussi du démarchage en France. J'ai rencontré des agents. Puis fait que c'est un peu ça qui occupe mes journées. Et je pense, là j'ai le scoop qui me brûle les lèvres, mais je pense qu'on peut dire que Daphné a participé au documentaire sur Claude Crest le 30 mars prochain. On va aller voir ça. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai fait ça avant de partir. Ah, c'est le fun, ça. Ben, c'est le plus gros projet que tu as participé cette année, c'est sûr. Elle est plus connue que notre voisine, cette fille-là. Le documentaire, ben, il y a personne en France. Ben, merci beaucoup, 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 Daphné, de nous avoir accordé un peu de temps comme ça. Hey, merci à vous autres. Tu fais de ta soirée, tu bois de l'eau? Ben là, je mange du fromage qui n'est pas du fromage. Ben, mets-toi pas dans la marde, là. J'ai choisi mes questions, là. Sinon, je sais pas si vous voyez mes petits yeux, mais j'ai pas dormi beaucoup. Ben c'est sûr, il est 17h. Pas le temps de se coucher. Ben merci Daphné, 8-3 Forever, Saint-Nicolas. Merci à vous autres, 8-3, vive le 8-3, Québec Gold. Que tu comprennes ça, Southside. Bye bye, merci Daphné. Je suis Michel Brûlé. C'est Michel Brûlé. Là, comment qu'on fait pour qu'elle s'en aille, là? Voilà. Ah, elle a été bonne dans Kedo. La une des deux filles. L'avez-vous approché, d'ailleurs? Ben, à l'époque, elle devait pas être majeure, puis moi, j'ai pas le... En tout cas, on D'abord. Merci beaucoup. Ben, merci à Daphné, c'est super intéressant, c'était le fun. On va terminer avec José Saint-Pierre. Ben oui. Alors, ben, t'as pas de thème. Ben, j'ai pas de thème, ben non, je sais bien. Ah non, excuse-moi, avant toi, on va mettre la vidéo de Nicolas, excuse-moi. Oui. Alors, la vidéo de Nicolas. Oh boy. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? J'ai l'impression que je suis pas arrivé au même endroit que vous autres, là. Je comprends pas trop ce qui se passe. J'aimerais ça faire une plainte aussi, peut-être, parce que... Ben, vous voyez le bordel ici, puis j'aimerais ça savoir qui est en charge, parce que... J'ai pas l'impression que ça fait ben du sens, ce système moral-là, là, qui... Je sais pas si je suis-tu puni ici, là? C'est quoi, là? C'est qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, si vous pouviez. En tout cas, j'essaie de trouver Julien ou Niquette, que j'aurais l'impression qu'il devrait être ici aussi avec moi, puis personne. Donc, en tout cas, vous me tiendrez au courant là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, moi, j'aimerais ça parler à la personne en charge, puis qu'on ait une petite discussion éthique là, sur le caractère un petit peu arbitraire de la morale qui a l'air d'avoir en cours ici. Oui, oui. Donc, en tout cas, tenez-moi. Oh!
Tenez-moi au courant, là, si... Oh oui, j'appuie. De me contacter ici. C'était Nicolas, hey. Évidemment, directement en enfer. Le monde en enfer, là, ils se plaignent tout le temps. Doit. Tout le temps. Ils sont pas capables d'accepter leur sort. Tout le temps, essayer de trouver une façon de s'en aller. C'est quoi ça? C'est quoi la toune qui joue à l'envers? Ouais, c'était Sarah McLachlan. Probablement. Ça ressemble à ce que j'entendais quand je faisais un délirium. Oh, on dirait que c'était du Alanis Morissette. Ben oui. Ben, c'est... Ben, merci beaucoup, Nicolas, directement en enfer. Je l'ai collé, c'est là. Ben, il fait bien, il fait bien. Oh. Alors, je m'excuse, José, de t'avoir interrompu. On y va avec toi, José. Ben, j'ai une chanson pour José qui m'a inspiré. José, 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 est-ce que tu te retournes dans ta tombe? Les jeunes parlent plus de révolution. Ils sont seulement sur les TikTok. Merci. Ouais. Quel privilège. Un hit. Ça sent bien. On va en disquer ça. Hein? Oui, donc, José Saint-Pierre, je me présente. Je suis gestionnaire des Portes du Paradis. On dit gestionnaire pour pas. Parce que c'est un titre assez neutre, là. Tu sais, pour pas. Ah, ouais. Je suis pas présidente, là. Je suis pas la boss non plus, là. Mon grand-père, vous le connaissez bien, le Saint-Pierre, c'est lui qui gérait ça dans le temps, les petites blagues, là, c'est lui. C'était un bon blagueur, mais là, quand il a pris sa retraite, il est drôle, mais on s'entend qu'il était pas reconnu pour bien faire sa job, mettons. Il passait plus de temps à faire des jokes qu'à gérer le monde. Fait que quand quand mon père a finalement repris la business, après que mon grand-père a pris de la retraite, Jean-Paul a repris ça, il a mis ça straight, puis là, moi, depuis, je dirais, ça fait combien de temps là, que je suis là? Un bon 171 ans, je pense, quelque chose du genre, que je suis là au port du paradis à gérer ça. C'est une entreprise familiale, hein, on le sait. Pas l'air d'en avoir 150. Ah, oh, t'es fin. C'est ça, faut bien que je suis Dieu. Donc, là, on le sait, il y a des événements qui se passent à la planète, sur Terre, donc ça crée des flux plus ou moins grands de morts. En ce moment, la COVID, ça a créé de l'attente, on le sait, il y a ça plus d'attente aux portes. Oui, il y a un plus grand flux de gens et on n'a que 17 postes pour accueillir les gens au triage. Donc, c'est ça. Là, c'est compliqué quand on meurt, on le sait, il y a beaucoup de paperasse, on reçoit plein de documentation, on n'a pas le temps de lire ça, on est un peu stressé, on ne sait pas ce qui s'en vient, on n'a pas le temps de dire bye à tout le monde tout le temps. Donc, je veux juste, là, faire une petite chronique, profiter du fait que les terriens vont pouvoir entendre ça pour clarifier comment bien se préparer là, à sa mort pour entrer au paradis. Ça se passe bien, inquiétez-vous pas. Nous autres, on vous prend en main dès votre arrivée, mais il y a quand même des petites choses à faire, à savoir pour que ça se passe bien. Puis, on veut être sûr que tout le monde arrive là prêt. OK. Donc, Maxime vient d'arriver, là, fait que c'est pratique pour lui. Ben oui. Oh, Maxime est déjà rentré, là. Il a son auréole, puis tout. Okay. Lui, ça s'est bien passé, Maxime, d'ailleurs, ton entrée au paradis. Absolument, mon passeport vaccinal, puis tout. Bon, ça. Voilà. Ouais. Lui, il a lu sa documentation quand il est arrivé. Et voilà. Bon. Il n'y a rien que deux doses. Ben, et ça, c'est sûr. Là, on se met à risque. Hein. Si tu veux, en tout cas, moi, pas rentrer là-dedans. Là. Ouais. Vous mourrez comme vous voulez, c'est pas mon problème, mais tant que vous arriviez au paradis près, ça va bien se passer. Donc, moi, comme je disais, j'ai 17 postes de triage au paradis. 17 agents qui sont choisis, triés. Ils ont une belle formation. C'est moi qui les forme personnellement. Mais je suis toute seule à la porte. Hein. Moi, c'est moi qui ai les clés. C'est moi qui laisse passer tout le monde. Fait que c'est sûr que c'est long quand il y a beaucoup de monde. Mes agents sont là 24/7. Ils font bien la job. Mais il faut quand même qu'ils évaluent chaque personne qui rentre. Hein? Monsieur Brûlé, vous vous rappelez comment ça s'est passé, votre entrée? Vous voulez-tu nous en parler, peut-être? Vous voulez dire? Il est arrivé en Willy. En tout cas, Dieu, en passant, j'ai envoyé un petit message là, pour qu'il check son dossier, voir si... OK, ouais. Donc, quand vous arrivez, on va vous demander... c'est écrit dans vos documents qu'on vous donne là, pendant que vous êtes en file. On va vous demander la cause de votre décès, une pièce d'identité, une avec votre adresse, puis une autre avec photo, pour pouvoir confirmer. Oui, c'est parce que M. Brûlé, il n'avait pas son portefeuille. Oui, non, c'est ça. On me l'a volé. Ben, on prend aussi les tâches de naissance, les empreintes digitales, tout ça. Là. T'sais, on a quand même un registre quand même pour vous identifier. Je vais me faire l'avocat du Dieu. Là. Puis là, mettons, quand t'es un bébé mort-né, mettons. Oui.
Comment ça fonctionne? Ça, on le gère autrement parce que c'est un autre département, c'est les limbes pour les bébés. Donc, eux, ils ont leur propre système. Là. C'est pas la même chose que les gens. Nous, on gère que les gens qui ont 18 ans et plus. Oui, parce que... Donc, 16 ans, non? 16 ans, non. Ça, c'est un autre département. Parce que 16 ans, il y a souvent beaucoup de suicides. Ça, c'est un autre cas. On les envoie pas tout de suite en enfer, les adolescents. En bas de 18 ans, c'est pas toujours un choix. Fait que faut vraiment, tu sais, ils rencontrent un travailleur social, voir comment ça s'est passé, si c'est vraiment leur faute ou pas. Ils n'ont pas peur des mots au paradis. Hein? Non, c'est vrai. Ben non, là, à un moment donné, tu sais... Moi, les bébés, je les mange. Oh. on le sait que c'est bon, hein? Ben, un petit cerveau de bébé, là. Du petit cervelet. Quand vous arrivez, laissez... C'est rough. Laissez vos valises chez vous. On le dit, c'est écrit partout, sur la première page de la documentation. Au paradis, vous arrivez à la maison. Fait que vos bagages, laissez-les sur la terre. Le grand voyage, c'était sur la terre, mais ici, vous êtes chez vous. Puis, y en a qui habitaient dans des grosses maisons sur terre, d'autres dans des taudis. Il y en a qui n'avaient même pas de maison. Mais au paradis, tout le monde a l'équivalent d'un petit 3,5, mettons, je dirais, à peu près, 3,5. Fait que ça sert à rien. Non, les livres, là, on a notre propre bibliothèque. Si vous en voulez, vous allez les emprunter. En est rien. Vous n'avez rien besoin. On a tout. Ben oui. Non, peut-être dans une section un peu censurée, là, ça. En tout cas. Section pour adultes. J'ai pas été dernièrement à la bibliothèque, je peux pas vous dire. Là. Moi, je suis pas une très grande liseuse. T'as pas le temps. Je suis là 24/7 à la porte. Je sais bien. Oui. Puis, des fois, je prends une journée de congé par année. Cette journée-là, il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent. Hein, on le sait. Des fois, il y a du monde qui essaie de rentrer. On va te donner une journée dans Milan. Un petit deux semaines de vacances. J'aime ma job. Hein. J'aime ça être là. J'aime ça dire bonjour au monde qui rentre. J'aime ça. Je peux pas donner mes clés. Il y a mon fils là, qui essaye, que je t'entraîne. Des fois, il me remplace. Je le supervise. Mais c'est une vocation. Hein. J'aime ça. Wow. C'est qui le père de ton fils déjà? Oh, come on, tu le sais. Non, ça me revient, ça m'est revenu. Il est mort comment, Hall? Il est pas mort encore. Ah, ok, d'accord. Non, c'est Saint-Nicolas. C'est parce qu'il... Ouais, en tout cas, on peut pas rentrer là-dedans. Là. Je sais que Mme Noël, elle aime pas trop ça parler des arrangements qu'ils ont en public, là, mais bon. Amène rien. On a tout ce qu'il faut au paradis pour toi. Si tu as quelque chose de précieux, on va te le trouver. Il y a du monde, il y a une épicerie, il y a tout ce qu'il faut au paradis. Tout est gratuit, fait que tu n'as pas besoin d'emmener tes bébelles. Mais ça, c'est une affaire. Là. Ce serait pas plus simple, tu sais, qu'on n'a pas besoin de manger, pas besoin de... Tu sais, qu'on est juste même... Tu sais, là, on porte du linge, là, on pourrait... Mais oui, mais Maxime, c'est le fun de manger. Tu sais, t'as pas besoin de cuisiner. Tout au paradis, tu l'as vu, là. Tout ce que t'as pas besoin de fournir le moindre effort, mais si t'as envie de vivre les plaisirs de la table, tu vas pas te priver de ça, là. T'es au paradis. Moi, dans mon bureau, il y avait jamais de linge. Jamais de linge. Oui, c'est un des problèmes que vous avez vécu de votre vie. Ouais, je veux dire, il y en a des nudistes au paradis. Ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est de même. Il y en a pas de tabou. Mais t'sais, on pourrait être l'équivalent d'un rayon de lumière, mettons. Pourrait, mais ouais. Je m'attendais un peu à ça, tu sais. Ouais. Je suis déçu. Ouais. Non. Ouais. Ben, en même temps, c'est toi qui choisis l'âge que t'as, hein. Ouais. Fait que, tu sais, tu choisis de quoi t'as l'air. Non, mais toi, si tu te suicides sur Terre, t'es-tu heureux au paradis? C'est toi, Dieu, qui me demande ça? Ben, oui. On le sait, les suicides, c'est touché, ça s'en va en enfer. Là, on commence à avoir des comités qui nous disent « Non, on ne devrait pas envoyer tout le monde en enfer direct après s'être suicidé. » Mais moi, c'est pas mon département, le suicide. Là. Okay, je veux juste ajouter, il y a Miguel Deplante qui dit « Je confirme, la toune à l'envers était Friday de Rebecca Black. » Bon. Ah. Merci, Nicolas. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Radio là aussi, enfer. Emmenez pas de... Je sais que c'est long, la file, là, avant de rentrer, mais emmenez pas de collations, de fruits, de viande. On laisse pas rentrer de bouffe au paradis. Comme je vous disais, on a tout ce qu'il faut. Fait qu'essayez pas de mettre un petit saucisson dans vos bobettes pour essayer de le rentrer parce que vous le trouviez bien bon. Ben, j'en ai un petit saucisson dans les bobettes. Ben, oui, mais toi, en tout cas, on sait ce qu'il y a dans tes bobettes, Dieu. Là, on va pas rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Si vous avez faim pendant que vous êtes en file, juste à lever votre main. Moi, j'ai une petite équipe de petites filles, là, sont bien fines, sont bien cute. Ils vont venir vous voir, vous demander ce que vous avez besoin. Michel Bourrif, Michel, non. C'est drôle, Michel, on dirait que vous l'avez pas fait, cette file-là, hein?
Oui, je l'ai faite. Puis oui, je suis mort. Ouais, ouais, dossier c'est clos pour moi, par rapport. En tout cas, les petites filles vont venir vous donner tout ce que vous avez besoin, vous le demandez. Fait que traînez rien, emmenez rien. Tu sais, moi, je vous dirais une petite valise, là, un petit sac, une petite valise pour vos photos, là, si vous voulez, mais rien de plus, pas de bouffe, s'il vous plaît. Ouais, puis c'est... En fait, bon, je pense que ça fait pas mal le tour là, des grosses choses. Je sais pas s'il y a d'autres points que j'ai oubliés là, par rapport à l'entrée, mais c'est ça, ça. Stressez pas, ça va bien se passer, puis moi, je vais être là. C'est bureaucratique, là. Ben, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Il y a tellement de monde qui arrive, là, tu sais, c'est comme des douanes. C'est comme des douanes. Moi, je compare souvent ça à ça. T'arrives, tu mens pas, faut que tu dises la vérité, puis tout va bien se passer, puis tu peux rentrer enfin au paradis. Mais mettons qu'un terrien mange un délicieux cochon, est-ce que le cochon va au ciel après? Ben là, voyons Dieu, tu poses des drôles de questions, il me semble que tu devrais savoir tout ça. Oui, mais là, c'est parce que je fais aussi aller la chronique. Là, OK. C'est comme des questions un peu... Oui, moi, je connais la réponse. Mais oui. Mais oui, tu veux que moi, je réponde parce que moi, je réponds bien aux questions. Oui, c'est ça. Ben non, les animaux, là, ils ont leur propre paradis. Là, c'est une autre affaire, là, on le sait. C'est comme un genre de zoo. Ah, hein? Ça pue là-bas. Oui, en tout cas, moi, j'y vais pas. Là, c'est pas mon... Je trouve pas que c'est des très belles vacances. Il y a du monde qui aime ça à l'envers. Moi, je trouve que l'hygiène là-bas, les odeurs, tout ça, l'entretien, ça laisse un peu à désirer. Y a-t-il des humains qui travaillent là? Ben, pas des, c'est moi, des anges. Réponse, là, il y a des anges qui gèrent un peu la patente, là, parce que c'est leur passion, c'est leur job, mais c'est une job comme une autre. Là. Comme ange, on a toutes nos spécialités, hein, on le sait. Ben oui. Alors, faut travailler, on n'est pas là pour le fun, nous autres. Là, fait que, ouais. Ah, je comprends ouais. ça. Avez-vous une dernière question pour José? Qu'est-ce qu'on souhaite au paradis pour les prochaines années? Ben, un petit break, là, la COVID est un peu tannée, pandémie. Ben là, oui, moi, j'aimerais ça que ça slack un peu là, pour qu'on retrouve un peu notre beat. Parce que là, il y a eu bien de l'épuisement professionnel avec mes anges qui sont au poste de triage. Puis ils sont un peu tannés. Fait que fin de la pandémie, ça serait le fun. J'ai eu le mémo, vous avez perdu 2 ans de données en plus. Ben oui, ouais, non, je sais. En tout cas, ça, on va essayer de pas trop effriter ça. 100 milliards d'humains. Oui, je sais. Mais bon, en tout cas, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, Dieu? Hein? Ben oui, je sais. Les budgets sont pas infinis. Je suis là. Non, c'est pas infini. C'est pas parce que c'est le ciel. Là, Ben non. Voilà. C'est les ventes des bibles hein, qui font nos budgets. Fait que s'il y a pas de bibles qui se vendent, nous autres, les hôtels, pas de budget. Ils achètent juste des Aurélie Laflamme maintenant. Il n'y en a plus. C'est ça. Ben, merci beaucoup, José. Ça m'a fait plaisir. Le ciel n'a plus de secrets pour nous. Et merci, Michel Brûlé. Mon Dieu. Tu dois nous trouver affreux. Mon Dieu. L'île d'Anticosti qui est à vendre. Mon Dieu. Ben. J'ai reçu un petit texte pendant ma chronique de quelqu'un qui me disait qu'il n'y a effectivement pas de Michel Brûlé au registre. Si vous voulez peut-être rester avec moi... Pas de problème, là, ça arrive des fois, c'est parce que comme... Dieu l'a dit. Non, mais tout ça... Tout en vélo! Tout en vélo. Merci, Daphné Côté en ligne, d'avoir pris le temps de nous parler directement de la France. Il est parti en vélo, il n'y a même pas de frein! Merci à... Ben oui, il est encore tombé en vélo. Merci à Lance Maxime. Merci Vincent à la console. Merci Mathieu et Chania pour les décors et tout ça. Merci aux 350 Patreons. Puis justement, ben restez avec nous à ces Patreons-là parce qu'on s'en va faire toujours vivant. Direct en enfer. Toujours vivant au ciel. Enfin bon, vous comprenez l'idée. Voilà, c'était des cieux et des rêves. Merci les amis. Plus les capables, plus politiques, plus la paix. Excellent show.